un peu de marge sur la politique budgétaire quand il y a, le pays doit faire face à des dépenses considérables et inattendues sur le plan, par exemple, de la sécurité ou sur le plan de la défense dans les circonstances actuelles. Donc voilà, plus de flexibilité, plus de réactivité, plus d'appropriation par les autorités politiques et un regard supplémentaire qui n'est pas seulement macroéconomique, mais qui tient compte de la stabilité sociale. La question du poids de la masse salariale de la fonction publique dans le produit intérieur brut. Nous, on travaille évidemment sur des éléments de comparaison et force est de constater qu'avec 13% du PIB, c'est une des masses salariales rapportées à la taille de l'économie qui est une des plus élevées. Donc, sans être grand clair, il y a plusieurs mesures qui peuvent être envisagées. D'une part, des accords de modération salariale qui doivent être négociés dans le cadre d'un dialogue social avec les organisations représentatives et les autorités. Et ça, je laisse à mon collègue et ami, monsieur le ministre des Finances, le soin peut-être d'évoquer cette question. Mais c'est un des outils que nous recommandons dans les pays qui sont dans cette situation-là. Le deuxième, évidemment, ça porte sur les politiques de recrutement. On a observé l'année dernière en particulier des politiques de recrutement dans la fonction publique qui ont été très, très créatrices d'emplois. Là aussi, il faut être attentif au volume, au coût et surtout au potentiel qui pèse sur l'économie. Parce qu'on ne parle pas d'un contrat à durée détermination et de la mise en œuvre du processus des réformes convenu dans le cadre du programme, la Tunisie puisse renforcer son message de ce qu'elle est déterminée dans son désir de réforme à restaurer la situation économique pour une croissance plus inclusive et créatrice d'emplois. Le programme devait se terminer au mois de juin 2015. Compte tenu des circonstances, il est évident qu'il fallait repousser les butoirs de calendrier. Et par conséquent, aujourd'hui, le programme de SBA, il a été repoussé jusqu'en décembre 2015. Donc c'est dans cet espace de temps qu'il faut maintenant, il faut aller au bout du programme. Ensuite, si en 2016, les autorités tunisiennes souhaitent à nouveau, dans le cadre d'un partenariat, poursuivre la relation, poursuivre le financement et mettre en œuvre d'autres réformes qui paraissent nécessaires aux deux parties, le Fonds monétaire international sera évidemment prêt à répondre à cet appel et je suis sûr que le Conseil d'administration aura à cœur d'y répondre de manière favorable. Mais je ne voudrais pas, si vous voulez, laisser accréditer l'idée que je demande l'accélération d'un programme en 2016. Ce que je dis simplement, c'est finissons le travail engagé. Il y a un programme en place sur lequel nous avons été souples au niveau du calendrier. On a été souples au niveau de certains objectifs aussi. C'est dans ce même esprit que nous continuons à travailler. La sixième revue a été effectuée par le staff et a été positive. Elle sera soumise au conseil d'administration le 30 septembre, donc à la fin du mois. Et après, il y aura encore une revue, probablement de fin d'année, pour faire le point sur l'ensemble des engagements qui avaient été souscrits. Après, Inch'Allah. Mais le fonds, il sera prêt à répondre.